Dans cette famille danoise, on est végétalien. Ici, pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers ni de miel. Au Danemark, le nombre d'adultes qui suivent ce régime a considérablement augmenté, créant ainsi une génération de bébés nourris sans protéines animales. Les experts sont divisés sur la question des bienfaits du régime végétalien pour de jeunes enfants. Carence nutritive, apport énergétique insuffisant et croissance défaillante en résulteraient. Au Rigshospitalet, l'un des plus grands hôpitaux du pays, des bébés viennent chaque année pour des pathologies liées au régime végétalien, selon ce médecin. Certains développent des symptômes cérébraux, des faiblesses musculaires et parfois de l'épilepsie, des problèmes de développement. Ce qui ferait le plus défaut dans ce régime, c'est la vitamine B12, présente dans la viande et les produits laitiers. Une vitamine nécessaire à la création de nouveaux globules rouges et au fonctionnement optimal de notre système nerveux. Cette vitamine est particulièrement importante pour les nourrissons, car leur cerveau se développe constamment au cours des deux premières années de leur vie.